tu sais que full contact, j'allais presque pas le faire, moi. À un moment donné, j'étais furieux. Il y a une grosse dispute entre Jean-Claude et moi. Très grosse dispute. Je t'explique pourquoi on s'est séparés pendant 20 ans. À un moment donné, mais là, je ne savais pas, mais il a commencé à toucher un petit peu à la coke et tout. Et mais je ne voyais pas ça. Parce que je savais que je serais contre à 100%, tu vois. Il n'aurait rien. Je veux pas des assistants. Je veux des esclaves. Oh, oh. Je dis, oh. Alors je lui ai dit, ça va aller mal. Et je dis, c'est. Il débloque là. C'est plus possible comme ça. Mais non, il y a aussi le manque de respect. Il me dit, allez pour le pognon et tout. Il a acheté la maison à Chatsworth, d'accord, avec notre argent. Il a acheté Silicon et toi, avec notre argent. C'est bon. Comme je te dis, il y avait tout. Juan Paredes, le rôle de Mustapha, le rôle de Tonkpo, tout était là. J'ai pas eu un centime. C'est bien ça. Après, full contact, quand on s'est séparés, j'avais pas un franc. Pas un franc. Je termine full contact, mais dégoûté. Dégoûté. Ce qui continue, c'est conneries. Hein. Continue à ces conneries. Je reste. C'était pour mon frère. Dès que je termine le tournage, d'ailleurs, je n'ai même pas travaillé dans le montage, là. Je dis, réunion. Je dis, là, tu m'as pris, moi, c'était mon idée, full contact, tu as pris mon idée, tu as mis ton nom, tu as fait plein de trucs, tu as mis mon travail à moi, je dis Jean-Claude. Et alors, j'avais laissé des messages dans les répondeurs, j'avais même laissé une lettre dans la boîte aux lettres, et aucun, plus, qu'on ne me contactait plus. Alors, évidemment, moi, ça montait. Ah, moi, ça chauffait. Je travaille dans le restaurant, il vient avec sa Rolls-Royce, il me voit. Alors là, pourtant, moi, je suis vraiment pas quelqu'un de violent, je suis vraiment pas quelqu'un avec les flammes, je suis vraiment pas. Mais à un moment donné, j'ai quand même pété les plombs. J'ai appelé différentes personnes.